Bonjour Stacy, bonjour James. Actually, I should say bonsoir because it's midnight here. Bonsoir Stacy, bonsoir James. We had our class on mardi 1er septembre, leçon 5 sur 36. Quel jour sommes-nous? So don't forget le nous sommes le mardi 1er septembre. Quelle heure est-il? Il est 19h, il est 7h. So we talked about all those guys here. La politesse, politeness, s'excuser, to excuse yourself. Oh, pardon, madame, je suis désolé. Oh, sorry, ma'am, I am sorry. Ce n'est rien, monsieur. It's nothing, sir. Let me just increase this stuff. Ce n'est rien, monsieur. It's nothing, no big deal. Excusez-moi, monsieur, je suis désolé d'être en retard. I'm sorry, sir. I just excuse me, sir. I'm sorry to be late. Je vous en prie, ce n'est pas grave. Je vous en prie, it's like, you're welcome, but that's not really appropriate here. So it's like, it's okay, it's no big deal. Demander, to ask, remercier, to thank. Pardon, madame, vous pouvez me dire. Où est la poste, s'il vous plaît? Pardon me, ma'am. Can you tell me? You can tell me where is the post office, please? Oui, monsieur. C'est au bout de la rue, à droite. So, yes, sir. So, le bout is the end of the street. It's at the end of the street, on the right. Je vous remercie, madame. I thank you, ma'am. Je vous en prie, monsieur. You're welcome, sir. Tu peux me prêter 1 euro, s'il te plaît? Oui, bien sûr, voilà. Merci beaucoup, de rien. Can you lend me 1 euro, please? Yes, of course. Here you go. Thank you so much. You're welcome. So, félicité, to congratulate pour une réussite, une promotion, un nouveau travail, la naissance d'un bébé, par exemple. Félicitations, toutes mes félicitations. Je suis vraiment content, contente pour toi, pour vous. Bravo. So, to congratulate for a success, a promotion, a new job, the birth of a baby, for example. Félicitations, congratulations. All my congratulations, if you want. I'm very happy for you, casual, formal. Bravo. Pour un mariage, for a wedding, tous mes vœux de bonheur, it's like all my wishes of happiness, toutes mes félicitations, all my congratulations. Plaindre, plaindre is to feel sorry for someone, but if I add the reflective verb, se plaindre is to complain. À l'annonce d'une mauvaise nouvelle, the announcement of bad news, tu sais, je n'ai plus de travail, I no longer have a job. Oh mon pauvre Marc, ma pauvre Solange, tu n'as pas de chance, oh my poor Marc, my poor Solange, you don't have luck. Says to have, but you're not lucky as well. So I'm not gonna do this one because let's just stay, I mean, keep in mind, c'est terrible, it's terrible, c'est affreux, it's awful, ce n'est pas possible, it's not possible. Je suis désolé pour vous, I am sorry for you. I feel sorry for you. So we need to reorganize the dialogue. Pardon monsieur, vous pouvez me dire où est le musée d'Orsay s'il vous plaît? Sorry, sir, can you tell me where is Musée d'Orsay, please? Oui, madame, c'est facile. C'est la deuxième rue à gauche. It's the second street on the left. Je vous remercie, monsieur. I thank you, sir. Je vous en prie, madame. You're welcome, ma'am. Tu peux me prêter ton stylo, s'il te plaît? Can you lend me your pen, please? Yes, of course. Ce n'est pas. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je suis en retard, ce n'est pas grave. Tu sais, j'ai perdu mon travail, mon pauvre, je suis désolée. Merci beaucoup, de rien. Je vous présente Hélène Duparc. Salut Hélène, notre mariage est le 1er août. So, toutes mes félicitations. What can you answer? J'ai finalement trouvé un travail, toutes mes félicitations. Je vais me marier le mois prochain. Toutes mes félicitations.
Super, super pour toi, je suis content pour toi, contente pour toi. J'ai eu un petit accident de voiture. So I had a small accident of car, a car accident, a small car accident. Mon pauvre, je suis désolée. La semaine dernière, j'ai eu une promotion. Félicitations. Vous savez, j'ai perdu ma femme le mois dernier. Je suis vraiment désolée. Maman, j'ai gagné le match de tennis. Super, merveilleux, marvelous. Bonjour Kevin, comment vas-tu? Ça va bien. Je vous remercie, ce n'est pas grave, de rien. Vous pouvez me passer le pain, s'il vous plaît? Can you pass me the bread, please? Oui, bien sûr. Nous allons nous marier. Toutes mes félicitations. Je suis absolument désolée, ce n'est pas grave, some big deal. Je vous présente Éléonore Dupin. Enchantée, Éléonore Dupin. Merci, Joël, de rien. Here we have, saluer, to greet someone, say hi. Comment allez-vous? Bonjour, Madame Leroux, comment allez-vous? Bien, et vous, Paul? Ça va bien, merci. So we are talking here about this dialogue. Salut, Julie, tu vas bien? Ça va bien, ça va, merci. Number two. Comment ça va? So it's mon cajon, it's here, it's a tiny bit, mon formant, allez-vous? Coucou, that doesn't mean cuckoo, it means hi. Coucou, Lucie, ça va? Super, et toi? Hi, Lucie, how are you? Great, and you? Bonjour, Julien, comment ça va aujourd'hui? Très bien, et vous? I'm fine. So, bonjour, salut, comment allez-vous? Comment ça va? Tu vas bien, ça va? Coucou, bien, et vous? Ça va bien, merci. Très bien, merci, ça va? Pas mal, not bad, merci. Super, et toi? Okay. So we kiss, but it's gonna change. So in France, in the north, font 4 bises. À Paris, 2 bises. Dans le sud, 3 bises. Se serrent la main au travail. Les collègues se serrent la main. They shake hands. En France, les amis se font la bise pour se dire bonjour. Okay. Se présenter. To introduce yourself. Je suis Jérôme Jourdan. Bonjour monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Bonjour madame, je suis Jérôme Jourdan. Mon nom est Jourdan et mon prénom est Jérôme. Merci monsieur, vous pouvez épeler votre nom s'il vous plaît. Oui bien sûr, Jourdan, Jourdan. Merci monsieur, bon séjour dans notre hôtel. Alors ici, quel est votre nom? Je suis Jérôme Jourdan, je m'appelle Jérôme Jourdan. Mon nom est Jourdan, mon prénom est Jourdan, my first name. Mon nom est last name. Ça se passe comme ça. Yeah, ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. So that's about the reflective verbs. So reflective verbs, se lever, to get up. Se réveiller, to wake up. S'appeler is to call you oneself. Okay, so if I say je m'appelle, I call myself or my name is. Tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. So every time we deal with a reflective verb, we're going to have to deal with this kind of pronouns. Okay, so me, te, ce, nous, vous, ce, before the verb. You're welcome, de rien. Je vous en prie ou je t'en prie, de rien. Welcome, you're welcome. Remercier is to thank. Je vous remercie, I thank you. Je te remercie, I thank you, and it's casual here. Félicitations, une réussite. Plaindre quelqu'un, to feel sorry for someone. Se plaindre, to complain. Je me plains, tu te plains, il se plaint, elle se plaint. Nous nous plaignons, vous vous plaignez, il ou elle se plaint. It's an irregular verb, completely. Tu sais, I know, I mean, you know. Je n'ai pas de voiture, I don't have any car. Je n'ai plus de voiture, I no longer have a car. You're not lucky, tu n'as pas de chance. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le premier is masculine singular. Les premiers masculine pluriel. La première féminine singular. Les premières féminine pluriel. And after it's easier. It's like le deuxième, la deuxième, les deuxièmes. Pouvoir. Can, to be able to, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Be careful on nouns ending with, they have this kind of a pronunciation. O,
Okay, je suis contente pour toi, it's a feminine form. Tous mes voeux de bonheur, toutes mes félicitations, ma pauvre, mon pauvre. Okay. So, fais-le toi-même is do it yourself. So now we have, you've received the books, we can start working on the DELF A1 and continue with communication. Okay. Bonne soirée et à demain après-midi. Merci.